Juste pour finir, donc deux questions. La première, inshallah, c'est par rapport à la langue arabe. Donc, l'apprentissage de l'arabe est-il indispensable pour une bonne compréhension et une pratique de la religion? Et donc d'arriver à ce cheminement vers Dieu de la meilleure façon? Non. L'apprentissage, la connaissance de l'arabe n'a jamais été une condition sine qua non pour être musulman ou être un bon musulman ou être un musulman pieux. C'est de la foutaise, c'est pas vrai. La preuve, elle est toute simple, c'est que 80% des musulmans sont ni nara, ni arabes, ni arabophones. Et des savants illustres d'aujourd'hui et de tout temps, ouais, n'ont pas été arabophones. Ouais. Et ça ne les empêche pas, ça ne les a pas empêchés d'être des musulmans pieux et sincères. Donc, la langue est un outil. Ce n'est pas une fin en soi. Je peux très bien être musulman sans comprendre aucun mot de l'arabe. D'ailleurs, il y a des gens qui apprennent le Coran par cœur, ils ne le comprennent pas, ils le récitent, ils ne comprennent pas un mot de ce qu'ils récitent. D'ailleurs, nous tous, du moins la majorité d'entre nous, le soir, Tarawih, l'imam y récite, vous comprenez quelque chose? Vous avez peur de dire je comprends pas? On comprend pas ce qu'il récite. Mais non, on comprend pas. Arrêtez. Arrêtez, punaise. On comprend pas. Parce qu'on n'est pas des arabophones. Et même ceux qui sont arabophones, wallah, il y a des passages du Coran, tu peux pas les comprendre si t'as pas fait une recherche et une étude. Arrêtez, bon sang. C'est Abdullah ibn Abbas qui dit il y a quatre niveaux dans le Coran, il y a quatre niveaux. Il y a des passages dans le Coran qui sont accessibles à toute personne qui a l'arabe. OK? Ida ja'a nasrullahi wal fath. Voilà, tu connais l'arabe, tu as compris ce que ça veut dire. Il y a un autre niveau. C'est quoi? Il faut être versé dans les sciences. Ida ja'a nasrullahi wal fath, niveau superficiel, c'est quoi? Lorsque le secours et la victoire de Dieu viendront. C'est bon? Très bien. Mais vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le prophète, alayhi, après la prise de la Mecque, il a reçu cette sourate qui fait allusion qu'effectivement la religion est presque achevée puisqu'on a conquis la Mecque, le coffre est tombé. Vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire, ya Mohammed, le départ c'est pour bientôt. C'est pour cela, Abdullah ibn Abbas avait compris dans ce verset que c'était une annonce de la mort proche du prophète, alayhi, chose que d'autres compagnons n'avaient pas compris. Vous avez vu qu'il y avait un niveau de compréhension qui était différent en fonction de quoi? Mais en fonction de la prédisposition intellectuelle de la personne. Troisième niveau, ouais, dans le Coran, seuls ar-rasikhuna fil ilm, ceux qui sont ancrés, les spécialistes dans la religion, vont comprendre ces passages du Coran. Et un quatrième niveau, dit Abdullah ibn Abbas, il n'y a que Dieu qui sait. Ouais. Ça, ce sont des secrets qui sont dans le Coran, qui ne sont pas accessibles à l'être humain, on les découvrira dans l'au-delà, mais sur terre, contentez-vous, ouais, de ce qui est accessible à votre cerveau. Donc, l'arabe n'est pas une obligation et ce n'est pas non plus une nécessité pour cheminer vers Dieu. D'accord? La preuve, les peuples qui nous ont précédés, ben, ils ne parlaient pas l'arabe. Ils ont reçu des prophètes qui ne leur parlaient pas un mot d'arabe. Vous me suivez ou vous ne me suivez pas? Allez, Issa, il ne parlait pas arabe. L'Injil n'était pas en arabe. Moussa, il ne parlait pas arabe. La Torah n'était pas en arabe. Allez, Nuh, il ne parlait pas en arabe. Ibrahim ne parlait pas en arabe. Alors, ils étaient pieux ou ils n'étaient pas pieux? Les Hawariyoun qui les suivaient, ils étaient pieux ou ils n'étaient pas pieux? Donc, l'arabe, c'est un outil. C'est une langue. Point. À la ligne. Naham. Je sais ce que vous allez me dire. Ouais, mais attends, quand même. L'arabe, c'est la langue du Coran. C'est ça? Oui, ok, c'est la langue du Coran. Oui. Et après, continue, vas-y. Continue, je ne comprends pas ce que ça veut dire, c'est la langue du Coran. Allez, parce que c'est la langue du Coran, donc c'est obligatoire de l'apprendre. Mais vous êtes fou, il n'y a personne qui dit ça. Parce que si vous croyez ça, que le Coran, il est en arabe, l'arabe c'est la langue du Coran, donc il faut apprendre l'arabe, si vous pensez que c'est obligatoire, ben vous êtes dans le péché. Vous êtes dans le péché. Puisque c'est obligatoire, celui qui ne fait pas l'obligatoire fait un. Ah, là, tu confonds. Tu confonds réciter le Coran et tu confonds connaître l'arabe.
Là, on est en train de parler de connaître l'arabe. Si tu me dis... Oui, étape par étape. Ouais. Ne brûlez pas les étapes. Juste, dites-moi, est-ce que apprendre l'arabe, c'est une obligation, oui ou non? Si vous me dites oui, khlat alaykoum. Non, c'est pas un extrême. Je le sais ce que vous dites, mais vous n'avez toujours pas compris ce que je vous dis. Est-ce qu'apprendre l'arabe, c'est fard, c'est obligatoire? C'est ça la question. Ah ouais, regardez, il vous dit c'est wajib, c'est obligatoire. Donc, le mec là, il vient de vous dire vous êtes tous dans le péché. Et à partir du moment où... Vous comprenez le... Là, il sait ce qu'il dit, il dit que c'est wajib. Et d'ailleurs, il y a certains qui disent ça. Il y a certains qui disent ça. Ils sont dans le péché. Ma gilnaqsh l'afdal. L'an gilna, est-ce que c'est wajib fard? Je le sais, mais j'arrive. J'arrive. Alors, on va y aller par élimination et étape. Est-ce que vous êtes d'accord maintenant que c'est pas obligatoire? C'est bon? Très bien. On met ça de côté. Donc, si c'est pas obligatoire, non. 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 J'ai déjà répondu tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai dit que je peux être un bon musulman pieux qui connaît Allah et qui l'adore sans comprendre un mot du Coran. C'est 80% des musulmans sur terre qui sont comme ça. Donc, ne dis pas c'est indispensable. Parce que quand tu dis c'est indispensable, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire, si je connais pas l'arabe, je ne peux pas être pieux, je ne peux pas comprendre la religion. Oui, mais c'est ça que ça veut dire indispensable. Là, tu mélanges tout. Allah yahfadhak. On va se comprendre. Arshwi alaykoum. Attention aux mots que vous dites, que vous utilisez. Tu viens de me dire c'est indispensable. Tu sais ce que ça veut dire en français? Non, je t'arrête. Pour bien comprendre la religion, l'arabe n'est pas indispensable. Non, c'est pas mon avis. Sinon, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire tous ces gens ici, ouais, qui ne comprennent pas l'arabe, n'ont pas bien compris la religion. Mais c'est ce que ça veut dire. Je vais te répondre. Là, il pose une autre question. Je vais lui répondre. Mais, ne me dites pas l'arabe est indispensable pour être un bon musulman. Taïb, Anjoubek, ne dites pas que pour comprendre le Coran, l'arabe est indispensable. Tu sais pourquoi? Parce que ce frère africain là, ce frère converti à l'islam, il comprend pas un mot d'arabe. Tu es en train de dire qu'il comprend pas le Coran. Vous avez compris? T'es en train de l'insulter, t'es en train de lui dire t'es nul, t'as rien compris parce que tu t'as pas l'arabe. Je le sais, je fais exprès de parler comme ça. C'est pas de la provocation. Là, Anijaïk, ma'alesh, Anijaïk, est-ce que vous avez compris? Je peux très bien comprendre le Coran sans comprendre un mot d'arabe. Vous savez pourquoi? Bah parce que quelqu'un va me l'expliquer. Parce que je vais lire un tafsir. Yalla, anta, je suis sûr que tu viens du bled. T'as été à l'école au bled. Ma'alish. Le frère, il vient du bled. Ouais. Il a étudié jusqu'au bac. Il a fait 2 ans de fac à Rabat. Vous êtes d'accord? Ouais. Il connaît l'arabe. C'est sa langue maternelle, c'est sa langue. Zahma, parce qu'il connaît l'arabe, donc il maîtrise le Coran. Mais vous êtes fou. Mais vous êtes fou, il ne maîtrise pas le Coran, il ne maîtrise pas. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas un alim fait le Coran.
Sinon, il va nous faire un tafsir du Coran maintenant de 45 volumes. Il peut faire un tafsir du Coran de 45 volumes parce qu'il connaît l'arabe. Ça va pas, non? Si je peux juste me permettre, moi, ouais. Il y a des choses qui m'ont... par exemple, le fait de... Je vais me permettre, hein, parce que je vois que les frères, ils ont... Tout le monde a le droit de s'exprimer. Voilà. Moi, j'ai juste une question qui m'arrive tout de suite dans l'esprit, c'est qu'il y a des frères, par exemple, vous dites pour comprendre. Et l'essentiel, c'est pour méditer, être touché par le Coran. Pourquoi? Lors de certaines récitations, on a des frères qui ne connaissent pas le Coran, qui n'ont jamais médité. Et dès qu'ils entendent l'imam, ils vont pleurer, ils vont sentir une certaine khushu. Donc là, eux, ils connaissent pas l'arabe. Ils avaient pas les outils. Alors comment ils atteignent justement, comment ils vont atteindre cette, ce khushu? Contrairement à d'autres qui connaissent parfaitement l'arabe et qui... Oui. C'est pour ça que je... Donc là, c'est vrai que... كاين ما يسمى بلغة القلوب. يعني, si t'es avec Allah subhanahu wa ta'ala, tu seras touché que tu sois français, que tu parles français, arabe, etc. Mais Allah alam, la réponse reste, c'est Hassan, moi je suis pas, comme il l'a dit, je suis pas savant, donc je peux pas donner une réponse. Mais je peux juste vous dire, par exemple, posez-vous la question, pourquoi, Ftaraweh, vous avez des gens qui ne sont pas arabophones et qui sont touchés par le Coran? C'est alors, la question que je me pose. Être touché par le Coran, même si on ne le comprend pas, c'est une évidence. Parce que c'était la question, en fait. Hein, il faut revenir sur la question. C'était ça, les frères, la question. C'était, est-ce que l'arabe m'empêcherait de cheminer vers Dieu? Abadan. Voilà. Abadan. Tu peux cheminer vers Dieu plus vite, de façon meilleure que quelqu'un qui connaît par cœur Alfiyat ibn Malik avec son shurh d'Ibn Hisham. Vous avez compris? Tu peux être sibawé en arabe. Et d'ailleurs, on a des chrétiens qui connaissent le Coran par cœur. Il y avait un chrétien syrien qui connaît le Coran par cœur. Non, chrétien syrien, monsieur Moustachir, il connaît le Coran par cœur. Al-Khouli. Donc, j'insiste pour vous dire que c'est faux. La connaissance de l'arabe n'est pas une condition sine qua non pour être musulman, pour cheminer vers Dieu, pour craindre Allah. C'est faux. Al-Waqi'a, la réalité le prouve. Al-An, vous me dites, Al-Afdal, l'idéal, c'est de connaître l'arabe. J'ai presque envie de vous dire, Tahsil Hasil. Pourquoi vous me dites ça? Mais c'est évident. Moi, je rêverais et je voudrais que tous les musulmans sur Terre, ouais, dès le primaire, apprennent l'arabe pour pouvoir réciter le Coran comme il se doit, parce que la récitation du Coran est une ibada, monter leur niveau, pour comprendre certains versets, comme a dit Abdullah ibn Abbas, monter encore leur niveau pour comprendre, et ainsi, mais bien sûr, mon frère, c'est un rêve pieux, c'est un souhait, c'est ce qu'il y a de plus beau. Yallah, bismillah, allez, vous avez une mosquée, vous avez une école, tfadlo, essayez d'atteindre cet objectif. Bon, je vous donne quand même, en prime time, un petit truc. Rêvez pas, hein. Ne rêvez pas. Vous savez pourquoi? Parce que si, parce qu'on veut, on a envie, ça va se réaliser, depuis 1400 ans, tous les musulmans connaîtraient l'arabe. Vous avez compris? Vous ne pouvez pas faire disparaître les langues, parce que les langues, c'est la volonté de Dieu, elles sont nécessaires. Sinon, la vie d'ici-bas n'a plus de raison d'exister si vous faites disparaître les différences et les divergences. وَمِنْ آيَتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. C'est clair? الآن, le Coran est en arabe. Vous savez pourquoi? Parce que le dernier des prophètes est arabe. Allah, il ne va quand même pas révéler à un prophète arabe un Coran anglais. Non, mais vous rendez compte la bêtise? Si le dernier des prophètes devait être un chinois, le Coran, il sera en quoi? Et vous diriez quoi? Non. Vrai ou faux? وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Ah bah regardez ce que ça veut dire. Dieu choisit un prophète parmi son peuple parce qu'il maîtrise quoi? Il maîtrise la langue et la culture pour pouvoir les convaincre et les ramener vers la religion. Le dernier des prophètes, Mohammed alayhi salatu wassalam, il a été choisi parmi les Arabes. Il a parlé aux Arabes. Oui ou non? On fait quoi alors avec le verset? Le frère, il a dit tout à l'heure, « Inna anzalnahu Qur'anan arabiyan ». 4 fois dans le Coran, Dieu dit, c'est un Coran en arabe.
Si vous voulez le maintenir et le garder en arabe, vous êtes prêts? Ben, vous ne pouvez pas inviter les gens. Je ne peux pas, moi, maintenant, ramener des gens qui ne parlent pas l'arabe et leur dire, je vais vous réciter le Coran pour vous convertir à l'islam. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. وَالْعَادِيَةِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَةِ قَدْحًا فَالْمُغِرَةِ صُبْحًا. Et à la fin, أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. Mais c'est du foutage de tronche, ça. C'est n'importe quoi. Si vous voulez qu'ils se convertissent à l'islam, vous savez ce que je dois faire? Je dois être un prophète pour ces gens dans leur langue. La langue qu'ils maîtrisent. C'est-à-dire, je dois prendre le Coran en arabe et je dois le convertir. Dans quoi? Dans ma langue, le français, dans ma culture, pour qu'il soit accessible à mon peuple qui est francophone. Et l'anglophone fait la même chose, le germanophone, le sinophone, et ainsi de suite. Donc, le Coran est en arabe pour les arabes, mais le Coran doit être dans toutes les langues pour les non-arabophones, pour qu'il soit accessible, mais qu'il soit surtout compréhensible. Parce que le but, c'est de le comprendre, c'est pas de le réciter et de l'entendre, c'est de le comprendre pour qu'il ait un impact sur nous. Donc faites le maximum pour enseigner à vos enfants à quoi? À lire l'arabe, pour lire le Coran, ne serait-ce que pour prier convenablement, parce qu'il faut réciter le Coran convenablement, pour gagner des hasanats. Et si vous avez les moyens et les capacités de lever leur niveau pour qu'ils comprennent, b'sahtkoum, bravo, alhamdulillah, mais arrêtez de rêver, d'accord? La réalité, c'est que 98% n'accéderont pas à l'arabe comme vous le voulez et ne le comprendront pas comme vous le voulez. La langue de l'islam en France, c'est le français, c'est pas l'arabe, et ça sera jamais l'arabe. Comme la langue de l'islam en Turquie, c'est le turc. Vous avez compris? En Inde, c'est l'ourdou. Ouais. En Malaisie, c'est le malais. Vous avez compris? Ça, là, ce que je viens de vous dire, ça ne plaît pas aux Arabes. Bon, effectivement, on l'a vu. Ouais. Pourquoi ça ne leur plaît pas? Parce que l'Arabe, il est attaché à sa langue, à sa culture. Bsahto, bravo l'Arabe. Reste attaché à ta langue et à ta culture. Et pourquoi moi, je ne devrais pas être attaché à ma langue et à ma culture française? Je suis français. Alors, pourquoi? Vous voulez me coloniser, bande d'arabes? Vous voulez me dominer? Vous voulez me retirer ma culture? Wallah que les arabes l'ont pas fait. Vrai ou faux? Ah ouais. Tu dis que t'es marocain? Taïeb. Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, c'était quoi avant? C'était des berbères ou non? Les arabes sont arrivés. Le berbère a disparu? Non. Il n'a pas disparu? Le berbère n'a pas disparu. Les berbères étaient musulmans. Ils ont cheminé vers Dieu, oui ou non? Ah oui. Il y a un frère, il n'y a pas longtemps, il m'a donné un livre. Il m'a donné un livre, c'était la sira, la biographie de l'Hajj, Sidi l'Hajj el-Habib. Sidi l'Hajj el-Habib Hada, dans le sud du Maroc, il est considéré comme un qutb, un wali. Au-dessus, c'est le soleil. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Quelqu'un de pieux, quelqu'un de tout ce que vous voulez. Anna, moi qui vous parle, je devais avoir 7-8 ans. Mon père, il nous emmenait au bled à l'époque, ouais. Obligé, les chlouhs du sud du Maroc, quand ils débarquent au mois de juillet-août, ils sont obligés d'aller faire un passage chez qui? Non mais pour les francophones qui comprennent, chez le pape. Vous avez compris? Non mais façon de parler, ouais. Tu lui baises la main, ouais. Et tu t'assois juste pour le voir et l'entendre. La baraka du cheikh, tu lui poses des questions. Et à la fin, moi je me souviens, il était aveugle. Ouais. Mais il parlait en quelle langue ce cheikh? Il écrivait en quelle langue? Tashilhit, tamazirt. Ouais. Vous avez vu? Donc arrêtez de rêver. C'est pour cela, la langue de l'islam en France, c'est le français, c'est pas l'arabe. Et la khutba, il faut la faire en français. Il est où le minbar? Ils l'ont volé? Ah non, il est là-bas. Ouais. La khutba, il faut la faire en
en français. Ouais, je sais ce que tu vas dire. Ah, donc toi, la prière aussi, il faut la faire en français. C'est toi qui dis ça. Pourquoi tu me cherches? Façon de parler. Ouais. La prière, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, et déjà Nasrullah. Sauf une tarée, là, vous ne l'avez pas vue. C'est à la mode, elle a fait l'imamette. Vous savez, c'est à la mode en ce moment, il faut que les femmes fassent imam. Ouais. Une en Angleterre, une aux États-Unis. Wallah, tu vois la vidéo. Donc, elle est imam. Et elle est comme ça. Donc, Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Non, Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of God, the... elle récite l'arabe et elle dit l'anglais. Hein? Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Merci fou. Le... incroyable. Dans la prière. Ouais. Et derrière, ce qui prie derrière, c'est un homme, une femme, un homme, une femme. Il y en a une avec un demi-voile, un quart de voile. Il y en a une autre sans voile. Tu regardes ça, tu dis, Wallah. Hollywood, ils ne pouvaient pas faire mieux. Ouais. Et le but de tout ça, c'est quoi? Vous savez, c'est quoi? C'est de nous perturber, de nous déstabiliser, nous musulmans. Ya Hafsa, réveillez-vous. Ce n'est pas ça qui va nous perturber, déstabiliser. Même Abu Jahl, il ne nous a pas perturbé, déstabilisé. Tishwish, c'est histoire de... Donc, matrafouche, l'islam est et restera jusque la fin des temps. Ensuite, il disparaîtra par la volonté de Dieu quand il n'y aura plus un croyant sur terre. Et il restera en français, comme il est resté en turc, comme il est resté en anglais. Vous avez compris? L'islam restera parce que c'est une spiritualité. Vous avez compris? Ce n'est pas une langue, l'islam. Le Coran est en arabe, na'am, ala rasulayn. Et il ne changera jamais, il restera toujours le même. Vous avez la force intellectuelle et le temps, tfadlou, allez-y, étudiez. Mashallah, vous prêchez un convaincu.